أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي مانجلين دي نوي دي لين دوكل زيارة لين خمان لين نتي بس لبو خمان تنكو بس بسر للا واي نيون كوي جاغلال يالا سنو بروم اك سنو ينان تبي عليه الصلاة والسلام محمد داخ يالا داف نيو سانت نانكو غم buñ ko gëmé bi nopi door ko ñaan sakku ci mom ñaan ñaan bobu bës bi moy tay ziyara bi nga xamantene man na wax né ziyara fédéral la té ziyara international la ndax bokk nañ ko ak sunu ñoñoy ñi nga xamantene ko sunu mbokk yi ño xamantene dañu sëx ak ñom dig ku melni jina bi saw jina ko na kéré bo bolé ci mali waye bolé ci gambi ak diaspora sénégal la dina bi saw gambi ak diaspora ak yenen rew yo xamantene ñun ño xex dig lolou suko defé man na ci tudde côte d'ivoire mali burkina faso comme ni mako tudde ak dina ko nakere légui ak yenen rew yi dess ci europe be ci afrique be ci asia ak saoudia bi tay bes la bo xamantene bolom juliti bolom chrétien bolom kep ko xamantene dina ne ashhadu an la ilaha illallah ñom ñoo tanne bes bi dem sakku ci sunu borom talal ko loxo mu ñaanal ñu ñaan ko mu may ñu jamma jamma ci sunu yaram jamma ci sunu rew waye jamma ci jamono ji yep aduna daj donc ki nga xamantene moy jité mbir mi ci wa côté sénégal Cheikh Youssoufa Diatta Khalife Général di Balanta Kunda côté Guinée Cheikh Moussa Mankal Cheikh Moussa Mankal nit la ko xamantene yalla ko may lum ko may fi Sénégal tamit buñu bolé kurel yep man lañu jital pour doxal biiru ñaan bi donc ñaan bi ñu ngi ñaanal suñu rew ñu ngi ñaanal suñu njit rew way ñi ngi ñaanal askan bi yépp bërepp bi jina bi sawla arrondissement wala département farigne dekk bi tuddu dia fofu lañuy dem fofu lañuy am bërepp bo xamantene at bu jot ñu fay def ñaan way ñi ngi sakku ci suñu njité ñi jappalé ñu ci walu yoon bi jina bi saw yoon bi baxul lolu nak tay dañu rekisé ñaar fukki auto ak li ci top mat nañu ñaar fukku auto ak ñet ba ñaar fukku auto ak jiram ben ñoo wara dem ak ñi dem ak sen tank sen mobilette sen vélo bokku ñu donc fidèle ya julit la ñoo xamantene nit la ñoo xamantene munuma wax limbi be mo jéxal donc li la li moy cadeau gi nga xamantene warna ko mëna wax ñi ngi gërem ñepp Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme l'a si bien dit le Khalife Général, nous nous apprêtons à aller à Dia. Dia est un village qui est situé en Guinée-Bissau. Et c'est là-bas que Dieu a fait révéler des choses grandioses, magnifiquement explorables pour la prospérité, pour la paix, pour la concorde. Et pour toute autre ambition vers laquelle l'homme peut accéder. C'est pourquoi donc ces journées que nous allons célébrer ont la même hauteur que les grands événements qui se produisent partout au Sénégal et surtout dans le monde. Mais la particularité de Dia est que ce n'est pas seulement le musulman qui a sa place là-bas. Le chrétien a sa place, l'animiste à sa place, bref, toute autre confession en dehors de l'islam se retrouve dans ce lieu de pèlerinage. Et c'est un lieu sacré avec beaucoup de sites à consulter. C'est vrai, pour arriver à ce site, c'était beaucoup de difficultés. Les routes ne sont pas bonnes, le Khalife l'a dit. C'est pourquoi la première doléance pour nous, c'est que l'État du Sénégal, en rapport avec l'État de la Guinée, dans le cadre de la CEDEAO, puisse nous ouvrir une voie qui va nous prendre de Simbandi jusqu'à Dia sans difficulté pour les prochaines journées.
Deuxièmement, il faut remarquer que ce pèlerinage, bien qu'ayant démarré il y a bientôt 3 ou 4 ans, mais chaque année, le nombre de pèlerins se multiplie par 10. Aujourd'hui, celui qui est à Simbandi va s'en rendre compte. Près de 30 cars sont immobilisés pour prendre des pèlerins et les pèlerins sont loin d'être satisfaits dans le domaine du transport. C'est pourquoi donc une autre demande, que l'État puisse quand même lancer un coup d'œil vers Simbandi auprès du Khalif en direction de Dia, qui est devenu un phénomène national, international. Parce que l'imam l'a cité, il y a les populations de la Gambie, il y a les populations de la Guinée, il y a les populations de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry. Bref, donc toute la sous-région va se retrouver aujourd'hui en Guinée-Bissau, particulièrement à Dia, pour célébrer cette nuit, qui est devenue une nuit très forte. Une nuit comme toutes les autres grandes nuits qui sont organisées dans les différentes familles religieuses du Sénégal et du monde. C'est pourquoi je remercie beaucoup cette chaîne qui est venue couvrir l'événement. Et je prie pour tous les pèlerins que tout le monde parte en paix, que chaque prière formulée à Dia aujourd'hui soit exaucée par le tout bon Seigneur et que demain tous les pèlerins puissent rentrer en paix chacun chez eux. Je vous remercie.